ce monsieur qui tient la cloche, je crois qu'il s'appelle Joseph, c'était notre supporter numéro 1 sur la Pyramenta. Il se déplaçait à différents endroits. Je vais vous le présenter parce que j'arrive, vous voyez, il est là-bas. J'arrive sur lui. La forme. Et vous, ça va? Oh, alors, c'est super. Allez, maintenant. On se régale. Voilà, une petite montée dans l'ombre. Après, une traversée, une descente et c'est fini. C'est fait. Allez. Alors, mon épouse, hein? Oui, elle arrive alors. Ouais. Elle bon, allez, à bientôt. De la prison Roche, du nom du célèbre écrivain explorateur français. Ça remonte un petit peu même, donc voilà, faites attention, il est de l'air chaud vers un Reich quand on va passer là-haut. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne course et puis à ce midi. Déjà 5 km et là on a 800 qui nous attendent à peu près. Bravo. Et voilà la Roche Pastia. Tu te souviens, petit Pat, c'est là qu'on est descendu avec la Pyramenta, on était arrivé. Voilà la fameuse Pyra. Fantastique, c'est magnifique, on a la vue sur Cormen Rosselin, la Pyra. Donc là on va partir en direction du lac de Saint-Guérin, pour prendre la passerelle, et puis on va revenir par en face là-bas, pour redescendre ensuite sur un Reich, remonter en face, pour ensuite redescendre après sur Beaufort. Thank you.
voilà une crête mobile. Avant le beau temps l'été, ben, les agriculteurs suivent leurs vaches et voilà, la crête se fait deux fois, une fois le matin, une fois le soir. Voilà, un joli troupeau tout en haut là. Et voilà, les deux fous là. Pas d'homme. Regarde les beaux cailloux. Crête en face là. Voilà. On est redescendu dans le trou là-bas. Hop, le lac. Et là on est remonté. Maintenant on est presque au 27. Il reste 4 km de descente jusqu'à Arèche. Arèche-Beaufort. Bon, Cindy et. Et Thierry, ça vous rappelle rien, ça? La descente de la Pira? Le duo fou de Montpellier? I've been really trying, baby. Trying to hold back this feeling for so long. And if you feel like I feel, baby, then come on. Oh, come on. Woo! Let's get it on. Bonjour. En troisième kilomètre, on est dans la montée à Plan-Villard, en 2 km environ, en sous-bois, ça fait du bien parce qu'il fait chaud quand même. Là il est 12h30, François est déjà à l'apéro. Voilà, allez, courage.
on va arriver à Plan-Villard. Après, normalement, on devrait basculer sur Beaufort. On était là-bas, on était en face. You say I'm drunk, I can't have it in. Bon, je vous mets au défi de reconnaître la chanson. C'était peut-être pas la bonne tonalité, hein. Mais bon. Il a eu un coup de mou en dessous là. C'est long parce qu'il y a une grande partie un petit peu plate où on essaye de courir, mais bon. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Bon, on se voit à l'arrivée alors. Bah oui, d'accord. Bon courage. Merci. Bon ben voilà, voilà Beaufort, grosse descente pour terminer. Le trail, c'est aujourd'hui, on le voit, hein, une activité qui monte. Pas